Bonjour et bienvenue à quand le procès des crimes connus sur le règne d'Alpha Condé. En tout cas, selon les informations, le début des auditions n'est pas pour demain. Et pour cause, Conakry, le 4 mai dernier, la justice guinéenne a ouvert une enquête sur les crimes de sang commis dans le sillage du référendum constitutionnel de 2020 et de la présidentielle de la même année. Sur le fondement des dispositions de l'article 60 du Code de procédure pénale et sur la base des rapports d'autopsie réalisés sur certaines victimes et d'autres documents ou supports électroniques, le cabinet du doyen des juges d'instruction près le tribunal de première instance de Dixin a été désigné pour procéder à l'instruction préparatoire par rapport aux faits que la justice guinéenne reproche au président déchu Alpha Condé et 26 piliers de son régime. Parmi les accusations collées à l'ancien président et les anciens complices, il y a meurtre, assassinat, complicité de meurtre et d'assassinat, homicide involontaire, coups et blessures volontaires, arrestation, enlèvement, séquestration, torture, destruction et dégradation de biens publics privés, pillage, vol, agression sexuelle et viol. Pour faire la lumière sur cette affaire, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixin, M. Al-Ghassim Diallo, avait lancé un appel à témoins à l'endroit de toutes les victimes, parents de victimes et de manière générale, toute personne physique ou morale, structure ou entité pouvant fournir des informations ou disposant d'éléments pouvant éclairer la lanterne de la justice sur ces crimes et délits. Susmentionné de se mettre en rapport avec le cabinet du doyen des juges d'instruction pour livrer leur part de vérité. Interrogé sur l'évolution de cette procédure, une source proche de ce dossier a confié à nos confrères d'AfricaGuinée.com que le dossier suit son cours normal, mais selon notre interlocuteur, la procédure risque de prendre du temps, puisque d'après lui, il y a beaucoup de choses à faire avant l'ouverture du procès. Il est trop tôt pour donner des détails sur l'évolution du dossier. Ces genres de procédures prennent beaucoup de temps. Vous avez suivi le dossier d'Hussein Habré, ancien président du Tchad, jugé et condamné à la prison à perpétuité pour crimes contre l'humanité et torture, notamment pour viol et l'esclavage sexuel, ainsi que pour crimes de guerre, par les chambres africaines extraordinaires au sein de la juridiction sénégalaise le 27 avril 2017 au Sénégal. Les enquêtes ont pris plusieurs années et le jugement également, donc la date des auditions pour ce dossier n'est pas pour demain, ça risque de prendre du temps, nous a confié une source proche du dossier. Faut-il rappeler que de 2010 au 5 septembre 2021, marquant les années de règne d'Alpha Condé, plus de 200 personnes ont été tuées lors des manifestations en Guinée. Mais la justice guinéenne ne s'est intéressée que sur le seul cas lié au crime commis en 2020. Merci pour votre écoute. On se reprend très bientôt pour une autre vidéo.